Dans le triangle ABC, les points D et E sont les milieux respectifs des segments AB et AC. Question: quelle est l'aire du triangle ABC si l'aire du triangle DEB vaut 16 cm carrés? L'aire du triangle DEB se calcule par hauteur fois base divisé par 2. Appelons cette hauteur petit h et cette base petit b. L'aire de ce triangle se calcule donc par h fois b divisé par 2 et nous savons par l'énoncé que cette aire vaut 16. De cette égalité-là, nous déduisons que h fois b est égal à 32. Pour trouver l'aire du grand triangle ABC, il suffit de calculer la hauteur, c'est-à-dire 2h, fois la base, c'est-à-dire 2b, divisé par 2, comme ceci. Et ce quotient, ça donne 2 fois h fois b. Mais h fois b est égal à 32. Par conséquent, l'aire du triangle que nous cherchons, c'est 2 fois ce 32. Nous avons donc remplacé h fois b par 32. Et ce produit, ça donne 64. Par conséquent, la bonne réponse, c'est le A. Nous répondons à une question suivante de l'Olympiade de mathématiques lors du tutoriel suivant.